voir les différents types de mecs. Donc directement avant de... Je vous connais donc dans les commentaires. Oui, je suis avec mes frères, donc voilà. Et donc, les sketchs sont séparés en deux, par exemple. Il n'y aura pas de lips, par exemple. Celui qui filmera dira... Le mec riche. Là, ça jouera. Le mec pauvre. Et ça jouera. Voilà, donc pour commencer, le mec riche et le mec pauvre. Les mecs relous. Ouais, salut mec. Ouais, tu me passes un euro? Genre, j'ai pas 10 centimes pour ton fou mec. D'accord. Les mecs pas relous. Salut mec, ça va? Ouais, c'est la famille. Ça va. T'as pas un euro? Tiens, je te passe un mec. Ah, merci frère. Le mec qui sait pas braquer une banque. Ouais, c'est un homme de... Comment dire? Arrête-toi, arrête-toi. C'est pas j'ai grandi, moi. Le mec qui sait braquer une banque. Ceci est un hold-up. Monsieur, arrête-toi. Ne tirez pas. Le mec qui ne sait pas chanter. Le mec qui sait chanter. Sur ma route, oui, il y a eu du mou. Ah, ça c'est bien. De l'aventure dans le mou. Ça c'est pas de la merde en moindre comme le concert que j'ai vu tout à l'heure. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis. Droit de venir fou, oui, une vie de route. C'est bien, je peux avoir un autographe. Ta gueule. Tiens, voilà. Il y a aussi, du coup, les mecs intelligents. Comme la plupart des gens. Et les mecs... dépasse un peu les bords en débilité. Hein. Le mec intelligent. Bon, Jean-Louis. Oui. 2 plus 2. 4. 4 plus 4. 8. Bravo, tu as 20 sur 20. Merci, madame. Le mec pas intelligent. Bon, Mohamed. Combien ça fait de... Ça fait 36. Tu peux faire une blague? Toto, il va toi, tu pètes. Je vais voir dans le bureau du C'est où? C'est au fond du couloir à gauche. Il est fou ce gosse. Et ceux qui geek toute la journée. Donc voilà. Le mec qui sait jouer aux jeux vidéo. Mais vas-y, il m'a foutu un headshot là. C'est la vie. Allez hop, headshot encore une fois. Vas-y, je te cut. Boum.
Allez, je vais prendre le sniper. Fin de la partie. Victoire du player one. Hein? Le mec n'a jamais joué au jeu vidéo de sa vie. C'est quoi les touches? C'est ça. C'est ça. Ah, c'est bien. C'est marrant. Je comprends que là, en fait, on peut pas. On sait tous que quand on était petit, on faisait des cache-cache, des touche-touche, des et donc là on va faire ceux qui ne savent courir, non, ceux qui savent pas cracher, ceux qui savent se cacher et ceux qui ne savent pas se cacher. Le mec qui ne sait pas se cacher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est pas un jeu caché. D'accord. Il est où aujourd'hui? Putain, mais il est où là? Vous l'avez vu? Ah, mais il est derrière moi. Trouvé. Bah, tu sais vraiment pas. Le mec qui sait se cacher. 1, 2, 3, 4. Je suis caché. Ah ouais, d'accord. Jean-Louis? Jean-Baptiste! J'ai changé de nom. Je sais plus le nom de mes amis, c'est pas grave. Bon. T'es là? Ben. Comme ça, Dutch! Eh ben non, il est pas sous le lit. T'es sous la couette? Non. J'ai peut-être une idée. Qu'il y a un cadavre dans des vêtements. J'étais cachée. Donc maintenant que nous avons fait ça, les cache-cache, il y a aussi des compétitions. Comme vous le savez, des compétitions de football, de tennis, de judo, de basket, de tous les sports, on va dire. De tous les sports. Donc le mec qui gagne beaucoup de choses. Et le mec qui ne gagne rien. Le mec qui ne gagne presque rien. Médaille de bronze. Jean-Bernard Hulot. De toute façon, c'est toujours pareil. Médaille de bronze pour la deuxième fois. Jean-Bernard Hulot. Mais à chaque fois là que j'ai la médaille de bronze là, putain. Coupe de participation. Mais monsieur! Attends, coucou la caméra. Le mec qui gagne presque tout le temps tout. Bon, la première place de la journée. Excusez-moi. Monsieur Paul Nicolas. Voilà, merci. Félicitations. Pour le plus combatif de cette compétition, monsieur Paul Nicolas. Ouais, encore! Ouais! Bien joué. Pour... excusez-moi. Pour, du coup, le prix de la gentillesse, Paul Nicolas. Ça, c'est toujours... c'est normal. C'est normal. Pour... le prix de la combativité.
ne change toujours pas. Paul Nicolas, hein. Félicitations. Et pour le meilleur joueur, mais le meilleur joueur, tout, pour celui qui a eu le plus nombre de coupes en 2015, même si on est en 2000, ça, c'est pas grave, hein. Monsieur Paul Nicolas, hein. Merci. Faites un coucou à la caméra au passage. Et j'avais oublié de vous dire, nous avons une prime, parce que le gagnant, vous gagnez toutes les compétitions, donc nous vous donnons un billet de vin. Avec 1,30€. Merci. Bien joué. Si vous voulez, je vous aide à les porter pour la photo. Bon. Voilà, c'est parfait. Donc, comme je sais que quelques-uns des personnes que je connais sont un peu tête en l'air, hein, si vous me regardez en cas où, hein. Il y a le mec qui pomme toujours tout. Et le mec qui ne pomme jamais rien. Le mec qui ne pomme jamais rien. Oh, allô? T'as vu? Ah non. C'est bon? Bon, bah, on est parti, hein. Le mec qui pomme toujours tout. Allô? Allô? Allô cousin? Ouais. Ouais, ça va? Et c'est la famille. Ouais. T'aurais pas vu mes lunettes? Je crois que je les ai oubliées chez toi. Et aussi t'aurais pas vu mon portable. Tu téléphones avec quoi? Ah oui merde. Putain t'es con franchement. Mais t'aurais pas vu mes lunettes? Ouais, vas-y viens chez moi tu vas voir. Viens chez moi. Frère, je cherche depuis une demi-heure. Tes lunettes de quoi? De soleil ou... Mais oui, de soleil. Tu les as ici? Oh non. Oh. Et donc, pour finir cette vidéo, nous allons faire le mec qui s'est lancé en boîte et le mec qui s'est pas lancé en boîte. Celui qui ne sait pas danser. Ouais, le gros, ça va. Wesh, ça va. Ça va. Famille. Je peux faire une choré? Ah, si tu veux. Ah, il est nul, ta choré. Bah, vas-y, fais la même, toi. Vas-y, fais-en une. C'est de la merde, wesh. Ah, vas-y, je me barre. Ça va, moi aussi, là. Le mec qui sait danser. Wesh frère, ça va? Je peux me faire une croix? Non, on la prend ensemble. Je garde même pas le wesh. Ok. 1, 2, 3. Et cette vidéo touche à sa fin, donc... N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer cette vidéo, de partager la vidéo sur vos murs Facebook, ou bien sûr, le pouce, comme ça. Et donc, avant de finir cette vidéo, je voulais faire d'abord une dédicace à Nini Team. Si tu regardes cette vidéo, bonjour. Et donc, cette vidéo a été proposée par Patox Gaming, le Mister Sonon, et l'Aigle Volume, qui monte le volume. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Donc merci à tous de l'avoir regardé. Tu peux me regarder s'il te plaît? Oui. Donc voilà.